là pour dénoncer nos conditions de travail, du sous-effectif en général. Depuis des années, la situation s'aggrave. Voilà, ça devient plus possible, avec de plus en plus de patients qui passent aux urgences tous les jours, d'année en année. Voilà, ça devient impossible de travailler dans des conditions pareilles. Personnel paramédical épuisé moralement et physiquement. Donc là, on dit stop. Même si les animaux sont identifiés et qu'on les retrouve, s'ils ne se manifestent pas, on ne peut rien faire. On envoie des lettres recommandées et s'ils ne se manifestent pas, ils n'ont rien, aucune sanction derrière. La législation là-dessus a beaucoup de progrès à faire pour sensibiliser les gens au fait qu'on n'abandonne pas un animal.